Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce joli napperon. Pour cela, j'ai utilisé du fil de coton blanc avec un crochet numéro 2. Vous aurez besoin également de ciseaux et d'une aiguille pour les finitions. Pour commencer, je mets ma pelote dans un bol en plastique et je le pose sur le sol. Ensuite, je vais réaliser un cercle magique. Je passe le fil sur deux doigts avec l'extrémité vers moi et je fais deux tours avec l'autre extrémité en croisant à la fin avec les deux brins de fil qui sont sur mes doigts. Je passe le crochet sous les deux brins de fil et je ramène le fil par-dessous. Je fais un léger tour avec le crochet. Je passe le fil sur mon crochet et je le tire à travers la boucle qui est sur le crochet. J'ai réalisé donc un cercle dans lequel maintenant je vais faire des brides. La première bride est remplacée par 3 mailles en l'air. Je passe le fil sur le crochet, je fais donc un jeté et je ramène le fil à travers la boucle qui est sur le crochet. Voilà une première maille en l'air. Je passe le fil sur le crochet, je fais un jeté et je ramène le fil à travers la boucle qui est sur le crochet. Deuxième maille en l'air. Une troisième maille en l'air. Je passe le fil sur le crochet, je le ramène à travers la boucle qui est sur le crochet. Voilà, trois mailles en l'air. Maintenant, nous allons marquer la troisième maille en l'air avec ce petit appareil. Car pour terminer le tour, il faudra faire une maille coulée dans cette troisième maille en l'air. Maintenant, nous allons faire les brides. Je fais un jeté, je passe à l'intérieur du cercle, je ramène le fil, je fais un jeté, je ramène le fil à travers les deux boucles qui sont sur mon crochet. Je fais un jeté et je ramène le fil à travers les deux dernières boucles qui sont sur mon crochet. J'ai donc fait une bride. Je fais une deuxième bride, je fais un jeté, je passe à l'intérieur du cercle, je ramène le fil, j'ai trois boucles sur mon crochet, je fais un jeté. Je ramène le fil à travers deux boucles. Il me reste deux boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je ramène le fil à travers les deux dernières boucles. J'ai fait une deuxième bride. Je vais faire une troisième bride. Et je vais faire comme cela 19 brides, ce qui fera en tout, avec les trois mailles en l'air du début, 20 brides. Voilà, et je continue comme ça tout le tour. Je vous retrouve quand j'ai terminé. J'ai terminé mes brides. Maintenant, je vais tirer sur l'extrémité du fil afin de resserrer les brides entre elles. Donc, on peut tirer fort. Et maintenant, je vais faire une maille coulée dans la maille en l'air du début. Donc, je passe le crochet à travers
la maille coulée. Je ramène le fil à travers la maille coulée et à travers la boucle qui est sur mon crochet. Maintenant, on peut enlever le petit appareil. On va commencer le deuxième tour avec 3 mailles en l'air pour remplacer la première bride. Et maintenant, on va faire une maille en l'air de séparation entre chaque bride. Une bride sur la bride suivante. Et une maille en l'air de séparation. Une bride sur la bride suivante. Et une maille en l'air de séparation. Une bride sur la bride suivante. Une maille en l'air de séparation. Voilà, et on continue comme ça tout le tour. J'ai fini mon tour. Je vais faire donc maintenant une maille en l'air de séparation et une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. On va commencer le troisième rang avec 3 mailles en l'air pour remplacer la première bride. Et ici, on aura donc 2 mailles en l'air de séparation entre les brides. Une bride sur la bride suivante. Voilà, une bride, 2 mailles en l'air de séparation, une bride sur la bride suivante, deux mailles en l'air de séparation, une bride sur la bride suivante, deux mailles en l'air de séparation. Et on continue comme ça tout le tour. J'ai terminé le tour. Je vais faire les 2 mailles en l'air de séparation. Et ensuite une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Pour le quatrième rang, donc on fait 3 mailles en l'air pour remplacer la première bride et ensuite 3 brides à l'intérieur de l'arceau. Une première bride, deux, trois, une bride sur la bride,
à nouveau 3 brides à l'intérieur de l'arceau. Une bride sur la bride. Et on continue comme ça tout le tour. J'ai fini mes brides. Maintenant, je vais faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de séparation du début. Pour le cinquième rang, donc, on commence par 3 mailles en l'air pour remplacer la première bride. Ensuite, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On va passer 4 brides. 1, 2, 3, 4. Et on va faire une bride sur la cinquième bride. Cinq mailles en l'air de séparation. On va sauter 4 brides. Une, deux, trois, quatre. Et une bride sur la cinquième bride. Cinq mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, on passe 4 brides, 1, on fait une bride sur la cinquième bride. On continue comme ça tout le tour. J'ai fini mon tour, j'ai fait 5 mailles en l'air. Maintenant, je vais faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. On va faire une maille coulée sur la maille en l'air suivante. Une maille coulée encore sur la maille en l'air suivante. Et une dernière maille coulée pour venir se placer au milieu de l'arceau. Donc 3 mailles coulées sur les mailles en l'air. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air pour remplacer la première bride. On va faire 3 brides en tout dans l'arceau. 3 mailles en l'air, on passe une bride et dans l'arceau suivant, on fait à nouveau 3 brides. 1, 2,
et 3. Démaillant l'air, on passe une bride et dans l'arceau suivant, on fait à nouveau 3 brides. Et on continue comme ça tout le tour. J'ai fini le tour, j'ai fait donc 3 mailles en l'air et maintenant je vais faire une maille coulée sur la troisième maille en l'air du début. En l'air pour commencer le tour et pour remplacer la première bride, et on va faire une deuxième bride au même endroit. Donc on repique au même endroit. Pour faire une deuxième bride. Deux brides sur la bride du milieu. Voilà une première bride. On pique à nouveau au même endroit et on fait une deuxième bride. Et deux brides sur la dernière bride. On a maintenant 6 brides. 2 mailles en l'air. Et on recommence. 2 brides sur chaque bride. Une bride sur la première bride, on repique au même endroit, on fait une deuxième bride. Une bride sur la bride du milieu. On pique au même endroit et on refait une autre bride. Et enfin deux brides sur la bride, sur la dernière bride. Je vous retrouve quand j'ai terminé le tour. J'ai terminé et je vais faire j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Je vais faire maintenant une maille coulée sur la troisième maille en l'air du début. Pour commencer le 8e rang, donc on fait 3 mailles en l'air qui remplace la première bride, et on va faire une deuxième bride au même endroit. Ensuite, une bride sur chaque bride, sauf sur la dernière. Voilà.
une bride. Deux brides. Trois brides. Quatre brides. Et deux brides sur la dernière bride. On pique au même endroit. Et on fait deuxième bride. On a maintenant 8 brides. Une maille en l'air et on recommence. 2 brides sur la première bride. Une. Pique au même endroit, on fait une deuxième bride. Deux. Une bride sur chaque bride sauf sur la dernière. Et donc deux brides sur la dernière bride. Une bride, on pique au même endroit, et on fait une deuxième bride. Et on continue comme ça tout le tour. J'ai terminé. Je vais faire maintenant une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Trois mailles en l'air. Une deuxième bride au même endroit. Une bride sur les brides suivantes. Deux brides sur la dernière bride. Une, deux, trois mailles en l'air et on continue. Deux brides sur la première bride. Une, et deux. Une bride sur les brides suivantes.
et 2 brides sur la dernière bride. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Deux brides sur la première bride. Une. Deux. Une bride sur chaque bride suivante. Sauf sur la dernière. Deux brides sur la dernière bride. Et on continue comme ça tout le tour. J'ai fini le tour. J'ai fait mes 3 mailles en l'air. Maintenant, je vais faire une maille coulée dans la maille en l'air du début. La troisième maille en l'air du début. On va faire également une maille coulée sur la bride suivante pour commencer au niveau de la deuxième bride. Trois mailles en l'air pour commencer et remplacer la première bride. On va faire une bride sur chaque bride, sauf sur la dernière. Passe la dernière bride. Une maille en l'air, 2, 3, 4, 5. On passe la première bride et on fait une bride sur la deuxième bride. On continue avec une bride sur chaque bride, sauf sur la dernière. Thank you.
on passe la dernière bride et on fait 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. On recommence. On passe la première bride. On fait une bride sur la deuxième bride. Et on continue comme ça tout le tour.